not special today. Bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous pouvez nous donner quelques minutes, on va attendre nos participants avant de commencer. Mais bienvenue. Oui, bonjour tout le monde. Juste attendre quelques minutes de commencer. Et je vois que nous avons déjà des bonjours et des salutations sur le chat. Donc, bonjour tout le monde. On va juste donner quelques minutes pour les autres participants de nous joindre. Parfait. Donc, grand bienvenue à tout le monde. Donc, juste quelques minutes de plus. Parfait que nous avons des salutations sur le chat. Bonjour à tous et à toutes. OK. OK, donc bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire ASAP. Moi, je suis Liz Kiriakou, Senior Program Manager de notre portefeuille francophone et lusophone. Le projet ASAP, ça veut dire Accelerating Support for Advanced Local Partners. C'est financé par USAID et c'est un mécanisme utilisé pour aider les partenaires locaux à devenir des bénéficiaires directs du financement PEPFAR. Notre modèle ASAP consiste à fournir une assistance technique par des conseillers techniques intégrés, puis à être soutenu par ces merveilleux webinar global. Donc, soyez bienvenue. Je vais passer par le prochain diapo. Donc, en particulier, nous voudrions donner une grande bienvenue aux partenaires locaux. Donc, merci de nous joindre aujourd'hui. Juste quelques annonces de commencer. Si vous pouvez, s'il vous plaît, utiliser la boîte de questions-réponses pour toutes questions. Ça nous donne l'opportunité de capturer toutes les questions et circuler les réponses par email après le webinaire. Mais comme vous avez déjà commencé, vous pouvez utiliser le chat pour autres points et pour des échanges entre vous. Donc, c'est bien d'utiliser le chat aussi. Mais spécifiquement pour des questions, s'il vous plaît, utilisez la boîte questions-réponses. Nous avons actuellement nous avons deux sondages pendant le séminaire d'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez répondre aux questions du sondage. Et finalement, vous pouvez trouver la présentation du webinaire aujourd'hui par email et aussi ça sera enregistré sur notre site web DSAP. Donc, voici notre site web et on peut aussi revisiter exactement comment trouver des PowerPoints dans le prochain diapo. Donc aujourd'hui, nous avons un séminaire sur expenditure reporting, des dépenses d'expenditure, mais nous avons tous nos séminaires à la demande et ça va diffuser 54 webinaires pour plus de 10 000 participants.
Donc, vous pouvez retrouver les webinaires passés sur notre page web d'ESAP. Et aussi, ils sont disponibles dans 3 langues. Donc, voici comment vous pouvez trouver des webinaires, par exemple, en français. Et vous pouvez aussi trouver les topics, les types de webinaires, donc, utilisant les drop-downs. Et si vous voudriez télécharger une présentation PDF, vous pouvez les trouver dans notre site web. Voici en utilisant le boîte Presentation Slides. Donc ça, c'est comment vous pouvez télécharger le PDF de la présentation. Et aussi, l'enregistrement sera disponible aussi dans notre site web. Donc voilà comment accéder à tous nos webinaires. Et maintenant, je voudrais présenter notre présentateur aujourd'hui, Tega Dominique Mba. Dominique nous a joint en 2020 d'appuyer des partenaires ciblés par USAID en Cameroun. Il servit comme notre lead dans le domaine de gestion financière et conformité, et nous sommes chanceux de l'avoir. Donc, merci Dominique. Merci, Liz. Parfait. Merci à tout le monde et bonjour à tous nos chers partenaires, ceux qui nous font confiance dans nos séries de webinaires. Ce webinaire, comment les webinaires passés, se retrouve sur notre site web que on peut facilement suivre, enregistrement ou bien on télécharge les diapos qui seront en PDF. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir sur le rapport de dépenses, expenditure reporting. Lise, s'il te plaît, prochaine diapo. Peut-être avant de commencer la présentation formelle, si je peux aussi se présenter qui sera de nous aider avec des questions-réponses. Nous avons un autre de nos conseillers, Junior Die, qui nous a joint cette année en juillet et il est notre expert en gestion financière à conformité en Côte d'Ivoire. Donc, bonjour Junior, merci de nous joindre et de nous aider avec tes questions-réponses. Merci, merci beaucoup Lise, je suis heureux d'un support au niveau des questions, en répondant ou en envoyant les questions éventuellement à Dominique qui va répondre au fur et à mesure. Merci à tous d'être joints à ce webinaire. Et ça sera avec plaisir que je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Parfait. Merci, Junior. Et aussi, nous avons 2 représentantes de USAID. Nous avons Christine Knight et Allison Schmale. Donc, merci, Christy et Allison, de nous joindre. Hi. Parfait. OK, perfect. Donc, à vous, Dominique. Merci beaucoup, tout le monde. Bien, merci. Et on peut passer au prochain diapo. Donc, bienvenue à nos séries de webinaires. Pour l'agenda, on va commencer avec la première section, un aperçu du rapport de dépenses. On passe au qu'est-ce qu'il est neuf, quoi de neuf en cette année et au-delà. Et au troisième niveau, on va regarder les ressources qui sont disponibles pour ce rapport de dépenses. Quatrième élément, il y a les données financières qui ressortent de ce rapport financier. Donc, on va s'entretenir sur l'utilisation de ces données financières. Il y a aussi les questions courantes qu'on se pose en ce qui concerne ce domaine de rapport de dépenses, les défis et les meilleures pratiques. Il y a un modèle, des outils qu'on peut aussi partager avec vous. Et il y a les séances, des questions-réponses et discussions qui vont suivre chaque section. Merci. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, à quoi sert ce rapport de dépenses? Donc, ce rapport de dépenses
augmente la fiabilité, la convivialité et la ponctualité des domaines de données financières, donc qui aide à obtenir l'impact du programme. Aussi, ça améliore la responsabilité et l'efficacité du programme PEFA. Ça clarifie les liens dans les liens entre le plan opérationnel du pays et régional. Et là, Dominique, sorry. Can you go ahead and turn off your camera? I think the audio will improve. Sorry about that. Thank you so much. OK, thank you. Et là aussi, on aura ce rapport de dépenses clarifie les liens. Donc, il y a le budget de financement central, il y a la mise en œuvre du programme, l'exécution du budget et la gestion et l'établissement de rapports financiers. Prochain diapo. Donc, on est ici dans un cycle de planification et rapportage annuel. Donc, on doit suivre les informations dès la budgétisation et durant le plan d'action et jusqu'au niveau de reportage, on doit utiliser les mêmes classifications. Donc, il y a trois étapes qui se répètent. Il y a première étape au niveau stratégique. On doit déterminer le montant annuel pour chacun mécanisme. Et il y a aussi le financement des interventions du domaine de programme et bénéficiaires qui est aussi déterminé dans cette étape. Pour la prochaine étape, il y a le budget du plan d'action où le mécanisme d'intervention est détaillé par catégorie et par coût, par catégorie de coût. Et en troisième étape, il y a aussi les dépenses qui seront les dépenses par intervention identifiées dans le budget du plan d'action. Donc, voilà les étapes qui se lient. Donc, retenons, la classification est maintenue à partir de budgétisation jusqu'au rapportage en traversant le plan d'action. Prochain diapo. Donc, il y a le mécanisme d'intervention. Pour le mécanisme d'intervention, il y a domaine de programme et bénéficiaires qui sont déterminés par l'équipe du terrain et soit doivent être approuvés au niveau du siège. Et ceci permet aux partenaires d'élaborer son plan d'action sous la base de cet domaine de programme et bénéficiaires qui sont définis. Et maintenant, le partenaire doit aussi désagréger ce qu'il achète avec les ressources mises à sa disposition. Et là, on a les catégories de coûts. Donc, les catégories de coûts doivent reprendre ce qu'on a déjà dit au niveau du domaine du programme bénéficiaire. Donc, ceci est traduit par le partenaire en catégorie de coûts où les différents coûts sont désagrégés sur la base de ce que le partenaire veut acheter. Prochain diapo. Donc, devant nous, c'est le formulaire de rapport de dépenses. Et si on prend le deuxième colonne de ce formulaire de rapport de dépenses, on commence à remplir de haut vers le bas. Donc, au niveau de l'intervention, sous l'intervention, on a programme area, domaine de programme. Donc, on commence toujours avec le domaine de programme. Là, on identifie qui est le bénéficiaire dans ce domaine de programme. Et ensuite, le coût engagé est ventilé par catégorie de dépenses. Donc, dans les diapos qui suivent, on verra en détail quels sont les différents composants du domaine de programme, quelles sont les différentes catégories de bénéficiaires et aussi les catégories de coûts. Prochain diapo. Donc, ici, on retient qu'il est toujours important de travailler vers le bas. On commence en haut, on sélectionne d'abord le domaine de programme.
et bénéficiaires. Et puis, on finit avec catégorie de coûts. Prochain diapo. Donc, voilà le domaine du programme. Donc, avant de rentrer pour voir quels sont les composants de ce domaine de programme, il faut que on retienne un peu la définition d'un programme. Donc, un programme, c'est juste un ensemble d'activités qui aboutit à un résultat commun. Donc, quels sont les différents composants? Dès qu'on trouve, il y a quatre composants qui se retrouvent au niveau du site. Il y a la prévention, il y a le dépistage, il y a le traitement, il y a le programme socio-économique. Ceux qui se retrouvent au niveau du site. Et au niveau de hors site, où on a les aspects de suivi, évaluation, les aspects de l'appui au programme, c'est un composant. Et maintenant, il y a aussi la gestion de programme. Dans les prochaines diapos, on va rentrer plus un peu en détail sur les différents composants de ce domaine de programme. Donc, voilà la définition du programme. Il s'agit d'un ensemble des activités qui atteignent au résultat commun. Donc, nous avons six domaines de programme: prévention, dépistage, soins et traitement, programme socio-économique, programme hors site et gestion de programme. Donc, tout ça enveloppe tout ce que PEF a fait pour atteindre et maintenir le contrôle de l'épidémie VIH et SIDA. Donc, quand on voit par exemple, la prévention est liée au VIH, le dépistage est lié au VIH. Donc, il y a quoi de neuf dans cette année? Il y a un domaine avant, de orphelins et enfants vulnérables. Ici, cette année, on n'aura pas ce domaine. Domaine de orphelins et enfants vulnérables va devenir l'un des groupes bénéficiaires. Et c'est remplacé cette année avec le programme socio-économique. Prochain diapo. Donc, il y a les activités au niveau du site et les activités hors site. Donc, quand on parle des activités au niveau du site, dans le point de prestation ou bien le niveau des établissements se retrouvent au niveau du site. Donc, il y a les activités de prévention, de traitement et tout. Et maintenant, les activités qui se retrouvent au site, donc il y a la gestion des programmes, l'information stratégique, la surveillance, le renforcement du système de santé. Et quand, dans ceux-ci, principaux programmes PEFA, quatre se retrouvent au niveau du site. Il y a la prévention, le dépistage, le traitement et programmes socio-économiques, et deux se retrouvent au niveau de hors site. Prochain diapo. Donc, voilà la classification des bénéficiaires. Les bénéficiaires se retrouvent dans sept groupes. Il y a trois groupes de critères démographiques. Il y a quatre groupes de groupes ciblés, d'une population ciblée. Donc, dans le prochain diapo, on verra un peu en détail pour regarder dans chaque groupe de bénéficiaires quels sont ceux qu'on peut retrouver. Donc, à retenir, on a sept grands bénéficiaires de groupe. Donc, trois sont classés à caractère démographique et quatre selon d'autres critères. Et quand il s'agit de ceux classés à caractère démographique, il y a la population non ciblée, les femmes et les hommes. Et quand il s'agit de population de d'autres critères, il y a la population clé, les femmes enceintes et allaitantes, les populations prioritaires, et les orphelins et les enfants vulnérables. Donc, il est d'abord important, quand on doit classer chaque bénéficiaire, on doit d'abord chercher si ce bénéficiaire qu'on peut placer ce bénéficiaire dans
le groupe ciblé ou pas dans le groupe démographique. Par exemple, si une femme est enceinte, c'est d'abord une femme qui normalement devait être placée dans le groupe démographique, mais si on, dans d'autres dans le groupe, dans quatre autres groupes avec autres critères, il y a un groupe de femmes enceintes et allaitantes qu'on peut mieux placer cette femme dans ce groupe. Donc, il faut objet d'une beaucoup de jugements pour classer chaque bénéficiaire dans les différents groupes. Prochaine diapo. Donc, ici, on a un exemple d'une intervention au niveau du domaine de programme. Sorry, Dominique, sorry, just one second. Could you lean towards your computer a little bit? It's just coming in a little bit, in and out. Okay. Thank you. Perfect, thank you. Au niveau de... c'est un exemple des interventions. Donc, on a un domaine de programme qui est le partage. Et un sous-programme, c'est une activité au niveau de communauté. Et c'est une prestation de service. Le groupe bénéficiaire, c'est la population clé. Et le sous-groupe bénéficiaire, c'est les travailleurs de sexe. Donc, voilà comment on peut classifier, mais retenons que ça est bien défini. Il y a une guide pour la classification qui est disponible sur prochain diapo. Prochain diapo. Donc, niveau de détail. Donc, il y a une maxi, il y a un nombre des interventions. On peut faire au niveau du USAID, il y a 35 interventions qu'on peut saisir. Et là, on doit aussi essayer de désagréger de manière possible pour avoir les informations. Donc, ce n'est pas beaucoup détaillé, il donne plus des informations. Prochaine diapo. Donc, ici, il n'y a pas une approche unique pour répartir les dépenses. Et beaucoup de détails ne signifient pas qu'on aura les meilleurs rapports. Donc, dans les diapos précédentes, on doit d'abord, dès la budgétisation, c'est là-bas qu'on commence à intégrer comment est-ce qu'on va faire ce rapport. Au niveau de budgétisation, au niveau de plan d'action, et maintenant, le rapport se suit. Donc, les mêmes classifications se suivent à partir de là pour éviter tout autre détail à la fin quand on doit rédiger un rapport de dépenses. Donc, on doit déclarer... OK. Donc, en ce qui concerne la catégorisation des coûts, ici, on trouve qu'il y a 10 catégories. Pour le coût direct, il y a une catégorie pour le coût indirect et tout ça rentre dans le coût de financement de projet PFA qui doivent être reflétés dans ce rapport de dépenses. Prochain diapo. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retient dans les catégories de coûts? L'objet spécifie ce qu'on achète, ce que le partenaire achète avec. L'agent mettre à leur disposition. Il existe 10 grandes catégories de coûts pour les coûts directs et un pour les coûts indirects. Et tout ça, c'est la totalité des subventions reçues du bailleur. C'est le coût indirect plus le coût direct. Merci. Prochaine diapo. Donc, voilà le formulaire. Comme dans le cas précédent, on commence toujours par le haut. Il y a le domaine de programme, il y a le bénéficiaire et la catégorie de coûts. Donc, on renseigne pour chaque intervention. On renseigne à partir de haut vers le bas.
dont les catégories de coûts doivent refléter les différents domaines de programme et les bénéficiaires. Donc, prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on retient? La première étape, on consiste à sélectionner le domaine de programme. Donc, voilà qu'il faut remplir cette formulaire de rapport de dépenses. On commence par sélectionner le domaine de programme. Donc, et il est aussi important de travailler de haut vers le bas sous le formulaire. On sélectionne le domaine de programme, puis bénéficiaire, et on finit avec catégorie de coûts. Prochain diapo. Donc, quels sont les principes de base pour remplir ce rapport de dépenses? Donc, on doit intégrer toutes les dépenses de l'année. Donc, de l'année du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Et ce rapport est fait sous la base des dépenses effectives, les dépenses décaissées. Le rapport annuel est fait en dollars et c'est uniquement pour PEFA, mais pas pour d'autres fonds reçus de USAID. Et on retient aussi, c'est le partenaire principal qui est responsable de toutes dépenses, y compris pour les sous-bénéficiaires. Donc, il y a une guide qu'on peut retrouver sur le site dtim.zx.com. Prochain diapo. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Principe de base, la suite. Donc, pour chaque mécanisme d'intervention, il faut un formulaire. Ou bien pour chaque unité d'opération, il faut un formulaire. Donc, le partenaire de mise en œuvre avec plusieurs interventions doit aussi soumettre plusieurs formulaires. Un pour chaque mécanisme. Donc, un partenaire qui a plusieurs mécanismes d'intervention dans une unité opérationnelle va préparer un formulaire pour chaque mécanisme d'intervention. Par exemple, ça c'est un exemple un peu banal, fictif. Si il y a une structure, Centre burundais pour la santé, si cette structure met en œuvre trois différents mécanismes de PEFA, il y a mécanisme A, mécanisme B et C. Donc, on attend que cette structure doit soumettre trois formulaires de rapport de dépenses. En ce qui concerne les programmes régionaux, on doit traiter de la même manière comme l'année précédente. On doit soumettre un formulaire par mécanisme par pays. Prochaine diapo. Merci. Et on peut prendre la première pause question. Et là, je remets la parole à Alice, qui va nous entretenir sur cette étape de questions et réponses. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Dominique. Donc, comme noté au début, nous avons une boîte Q&A pour des questions. Si vous avez des questions, vous êtes encouragé d'utiliser la boîte. Mais peut-être à Junior de commencer avec la première question qu'on a reçue. Donc, Junior. Merci. La première question qu'on a reçue, c'est, serait-il possible de comparer la performance de cette année avec celle des années antérieures suite à cette modification de formulation des indicateurs? Donc, Dominique, la question, c'est de savoir si on peut faire des comparaisons entre celles qui ont été faites, les données qui ont été postées l'année dernière et ces données de cette année-là, vu qu'il y a eu des modifications dans les indicateurs, dans la formulation des indicateurs cette fois-ci. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que pour cette question, peut-être avec Christian et les autres, ils vont
ils peuvent nous apporter plus de précisions, mais néanmoins, avec les modifications, c'est un peu difficile de rapprocher, surtout quand on parle de changement au niveau du programme où on a orphelins et les enfants vulnérables qui deviennent maintenant un groupe de bénéficiaires. Ça devient un peu compliqué, mais moi, je pense que peut-être l'équipe USAID qui est avec nous peut nous accompagner dans cet aspect. Parce que normalement, ce rapport, même si pour nos partenaires, ça les aide aussi de comprendre comment est-ce qu'ils utilisent le fonds, mettre à leur disposition, aussi au niveau du bailleur. Je ne sais pas comment ils gèrent cet aspect où il y a les modifications en ce qui concerne, s'il y a les modifications cette année par rapport aux années précédentes. Merci. OK, donc vitement, je peux traduire pour nos collègues de USAID. So Christy and Allison, the question was, would it be possible to compare this year's performance with that of previous years with some of the changes in indicators? So I don't know if either of you are comfortable responding. Sure, and just a clarification, with the changes in indicators, are we talking about the expenditure? Because there aren't really major changes in the guidance for expenditure reporting this year. It sounds like there was a specific, this question came after one very specific slide, so I don't know exactly where it came from, but I think it's more around if there's a change in the way the indicator was formulated, can we still compare year to year? Okay. Yeah, and so none of the changes this year were very significant. And while we do look at spending versus budget as a general metric, we aren't often comparing the performance per se of financial data year to year. We really use the expenditure data more to help us tell the story of how our programs are doing and how we're using resources each year. But if partners are interested in seeing expenditure trends over time, there are visualizations and data publicly available on Panorama Spotlight, which I think we have in one of the later slides. Okay, thank you, Christy. Donc, peut-être je peux commencer avec la traduction et après Dominique et Junior, vous pouvez me compléter. Mais la réponse à la première question par nos collègues de USAID était que il n'y a pas trop de différence entre les indicateurs de l'année passée et cette année, mais en même temps, normalement, on ne fait pas cette sorte de comparaison entre les budgets des années passées et des prochaines années. C'est plus comment voir des expenditures ou bien des dépenses de l'année après année. Et si vous êtes intéressé de voir des visualisations en ligne, ils sont disponibles sur Panorama Spotlight. Donc, si vous avez accès au Panorama Spotlight, ils ont des visualisations et ça, c'est sur le site web de PEPFAR. Donc, je crois que j'ai... Oui, Liz, moi, je pense que juste pour rappeler à nos partenaires, l'un de nos diapos, bien dans la présentation, on va rentrer dans cette spotlight panorama pour expliquer comment est-ce qu'ils peuvent faciliter s'ils ont besoin d'avoir les informations qui peuvent rapprocher, qui peuvent comparer les dépenses ou bien les performances de l'année antérieure et avec l'année en cours. Merci. Merci, Dominique. Donc, à Junior pour la deuxième question qu'on a reçue. OK, merci Dominique et Lise. La deuxième question est la suivante. Est-ce que le rapport des dépenses PEPFAR est-il différent du rapport des dépenses à fournir à l'USAID? Vu que les fonds sont reçus de l'USAID, mais de sous PEPFAR, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qu'ils se demandent, est-ce que les rapports entre ceux à fournir, généralement dans les SF 245, Et le rapport de dépenses, est-ce que ces rapports-là sont différents? Parce que pour celui qui pose la question,
C'est un projet qui est financé par USAID, mais par le canal de PEPFAR. Donc, il demande un peu quelles sont les différences entre les différents rapports, je dirais des rapports sur le plan comptable purement, et puis les rapports sur le plan des données, qui est celui du rapport des dépenses. Merci, Junior. Bon, peut-être que j'ai donné nos collègues de USAID une chance de répondre. Christy and Allison, I think the question's in the chat, and then I can translate. Sure. The expenditure reporting is different from the SF-425 invoices and disbursements. So, they are two separate expense reporting mechanisms, I guess. Exactly. Donc, les mécanismes sont différents. Pour USAID, c'est rapportage de dépenses sont vraiment différentes, et pour PEPFAR, c'est plus détaillé avec des questions spécifiques. Donc, oui, il y a une différence entre les deux. Je peux ajouter quelque chose, Liz? S'il vous plaît. OK. Généralement, pour les dépenses, le rapport des dépenses de USAID, c'est un rapport qui se base sur tout ce qui est conformité. C'est un rapport qui est dans la logique comptable financière pure. Cependant, pour le rapport de dépenses, c'est un rapport qui se base beaucoup plus sur les données. Donc, il va beaucoup plus loin dans son analyse. Il fait une analyse fine pour savoir éventuellement quels sont les différents bénéficiaires, quelles sont les interventions, quels sont les sous-bénéficiaires qui sont impactés, quel est l'impact réel de l'argent que USAID, du contribuable américain, met à la disposition des différentes organisations. Mais je vous invite à suivre ce webinar parce que à la suite de nos slides, on vous montrera, Dominique en tout cas vous fera la précision sur les différences qu'il y a entre le rapport de USAID et celui du PEPFAR du rapport des dépenses. La même personne pose la question suivante. Est-ce que les deux sont dus à la même date? Est-ce que le SFR, le SF 425 et le rapport des dépenses sont dus à la même date? Elisabeth ou Dominique, ils demandent si les rapports le SF-425 et puis celui qui était avant l'analyse des dépenses, qui est maintenant le rapport des dépenses, sont dus à la même date. Est-ce qu'on les fait à la même date? Are they due at the same time? Je crois que c'est important de suivre les dates qui ont été circulées avec des modèles. Je ne suis pas certaine qu'ils sont les deux sont dus, mais je crois qu'on va visiter le timeline et le calendrier de rapportage de dépenses dans les prochaines diapos. Donc, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on puisse répondre lors du présentation. OK. Donc, merci tout le monde pour vos questions. Nous avons autres opportunités de répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, vous êtes encouragé d'utiliser la boîte QA, donc pour notre prochaine opportunité d'avoir une session de questions-réponses. Donc, je vais maintenant donner la parole à Dominique. Donc, à vous, Dominique, de continuer la présentation et merci, Junior et nos collègues USAID. OK, merci beaucoup. Merci à nos participants. Merci pour toute cette question qui aide à la compréhension de ce rapport de dépenses. Donc, on prend le prochain diapo. Peut-être juste comme Junior a expliqué,
Le rapport de dépenses est un rapport un peu technique qui rassemble la plupart tous les différents collaborateurs, y compris le programme SNAI, pour leurs inputs, qu'on voit comment les dépenses sont directement liées aux différentes activités ou bien différentes interventions donc, par rapport aux autres activités qui on regarde plutôt carrément les dépenses, qu'est-ce qu'on a dépensé et on rapproche avec ce qu'on a budgétisé. Donc, on va rentrer dans ce rapport de dépenses. Il y a quelle nouveauté pour cette quatrième trimestre? Il y a cette mise à jour administratif mineur. Si on rentre dans cette dite référence, on peut facilement retrouver, mais il y a certains avertissements qu'on doit s'assurer qu'on ne pratique pas cette combinaison qui sont impossibles. Donc, les dépenses du personnel de santé au niveau du site, on ne peut pas allouer ça au domaine de programme hors site. Quand on regardait les différents domaines de programme, il y a les activités qui se... Les composants qui sont au niveau du site, il y a le dépistage, il y a le traitement, il y a programme socio-économique. Donc, si il y a les dépenses pour les personnels à ce niveau, on ne peut pas allouer ça au niveau au site. Il y a aussi les dépenses pour les voyages et constructions que on ne peut pas aussi allouer, on ne peut pas considérer comme prestations de services. Prestations de services sont les activités qui se passent au niveau du centre de santé, bien au niveau des établissements. Donc, il y a aussi la possibilité du partenaire de saisir les narratifs facultatifs pour certaines combinaisons, donc tels que agent de santé, comme intervention non prestation de service. Donc, tout ça, au bout de compte, si on saisit cette narrative facultatif, on aura aussi la possibilité de télécharger ou bien soumis avec succès. Mais maintenant, pour les autres, et ce sera un peu difficile. Les autres sont quoi? Les combinaisons qui sont impossibles. Prochain diapo. Donc, quand il s'agit de prestations de site, bien prestations hors site, donc il y a une interaction directe avec le bénéficiaire. Donc, ça, c'est les prestations au niveau du site. Et quand il s'agit de prestations hors site, donc il n'y a aucune interaction. Peut-être, par exemple, il y a une assistance technique, formation des personnels. Et il y a une activité de suivi, évaluation et supervision. Prochain diapo. Donc, pour le rapport de dépenses, qu'est-ce qu'on a besoin pour remplir? Donc, il y a d'abord le budget qui est ventilé par intervention. On doit télécharger un formulaire vide à partir de technique. Et on utilise ce guide de classification. Et ce guide peut être aussi téléchargé à partir de technique. Prochain diapo. Donc, ici, on se retrouve avec le calendrier du rapport pour cette quatrième trimestre. Donc, il y a deux phases. Il y a la collecte des données, il y a un nettoyage des données. Et on commence d'abord avec les utilisateurs qui ont besoin de comptes d'ETIM. Et si les comptes sont expirés, plus de slide before. Donc, il y a les utilisateurs qui ont besoin de comptes d'étude. Et maintenant, il y a aussi, ils doivent ouvrir l'étude et télécharger le formulaire, saisir les données, mais tout cela doit être fait avant le 15 novembre, le 5 novembre. Et maintenant, il y a aussi, ça doit être approuvé par un officier au niveau de pays, EOR. Et il y a une phase de nettoyage qui commence le 1er décembre et la clôture de la période de nettoyage, c'est le 17 décembre.
pour l'exercice 2021. Prochain diapo. Donc, voilà comment DTIM se retrouve. Il y a une icône, IRB. Donc, c'est à partir de cette icône qu'on doit télécharger, on doit se mettre et valider. Et quand on a déjà se mettre et validé, ça doit être approuvé par USAID sur l'application de validation. Donc, on doit se connecter sur ce site pour que tout se passe sur le site. Prochain diapo. Donc, qu'est-ce qu'on retient avec le compte DTIM? Si nous avons déjà utilisé, ceux qui ont déjà ce compte, ça s'expire après 95 jours. Donc, si on n'a pas utilisé le compte DTIM, après 95 jours, ça s'expire. Donc là, on aura besoin de demander accès pour se connecter à ce site DTIM. Mais si, durant les 95 jours, le compte est encore ouvert, donc le compte est encore activé, donc on peut passer pour l'utiliser sur DTIM. Donc, voilà le site qu'on doit utiliser pour s'inscrire sur le site, sur DTIM. En bas, donc, on doit suivre et là, on demande un nouveau compte quand le compte qu'on utilise est expiré. Et quand on n'avait pas assez d'abord sur ce site, sur cette DTIM, on aura besoin de demander un compte. Et maintenant, dans la perspective pour 2022, donc on est en train de vouloir intégrer les sous-bénéficiaires progressivement à partir d'octobre 2022. Et là, chaque sous-bénéficiaire qui dépense au-delà de 25 000 dollars devrait remplir un formulaire de rapport de dépenses. Et ceux qui dépensent moins de 250 000 doivent 225 000 $ continueront de rapporter leurs dépenses comme l'année dernière, non ventilées par catégorie, mais toujours rapportées par intervention au niveau de partenaire principal. Donc, ceci nécessite beaucoup de formation pour les sous-bénéficiaires. Et chaque bénéficiaire doit remplir bénéficiaire principal doit remplir un formulaire et plusieurs autres pour les sous-bénéficiaires. Ça, c'est pour les sous-bénéficiaires qui ont dépensé au-delà de 25 000 $. Donc, tous ces formulaires seront soumis par le partenaire principal. Donc, le partenaire principal va remplir le formulaire et au même moment, recevoir les formulaires remplis par les sous-bénéficiaires qui ont déjà dépensé à partir de 25 000 $. Et c'est le bénéficiaire principal qui va soumettre cette questionnaire. Et ceci, c'est à partir de octobre 2022. Et en déclarant les dépenses dans un formulaire séparé, le sous-bénéficiaire éligible fournira les détails complets sur les catégories de coûts de leurs dépenses et plus le domaine de programme, les informations sur les bénéficiaires qui ont été précédemment déclarés. Donc, on va utiliser ces informations maintenant pour préparer l'année prochaine. Donc, on est déjà au-delà de l'année de cette année pour préparer l'année prochaine. Voilà comment ça va être. Prochaine diapo. On va prendre encore quelques questions. Donc, c'est la pause question. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Liz. Bonjour tout le monde. Donc, Junior, je crois qu'on a réussi
une question sur le chat. Normalement, nous préférons de recevoir des questions sur la boîte questions-réponses, mais peut-être de répondre aux questions dans le chat. Thanks, Junior. OK. OK. La question, elle est en anglais, mais on peut la traduire en français. Elle pose la question de savoir comment appliquer à des propositions de projets sur le plan régional, parce que African people living with HIV West Africa, c'est le nom de l'organisation, travaille dans la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et les 16 réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH en Afrique de l'Ouest sont membres du NAP plus WA. Merci de répondre. Donc, la question est de savoir comment ils peuvent éventuellement postuler sur ces appels d'offres sur le plan régional, parce que c'est une organisation qui se situe en Afrique de l'Ouest et qui a un réseau de 16 organisations, de 16 pays vivant avec le VIH-Sida. Merci, Junior. Donc, Christy or Allison, would you like to help respond or would you like us to take this one? And it's around... Go ahead. I was going to say, this doesn't sound like it's a specific expenditure reporting question with call for proposals, right? So I'll let you handle that unless there's a different clarification. Thanks. I just wanted to make sure. OK, donc, merci pour la question. Normalement, nous préférons d'avoir des questions spécifiques au sujet du webinaire. Donc, comme noté, on discute le reportage de dépenses aujourd'hui, mais vite de répondre, il y avait des opportunités qui sont mises en ligne auxquelles vous pouvez postuler ou bien appliquer. Donc, c'est recommandé de continuer à suivre des sites web, par exemple, de PEPFAR et des autres, d'identifier des opportunités pour application. Mais si on peut garder le temps pour des questions spécifiques au reportage de dépenses. Merci. Et si quelqu'un préfère de nous donner leurs questions à l'oral, vous êtes encouragé de lever la main ou bien le mettre dans la question-réponse. Sinon, peut-être on peut aller sur la présentation ou bien Junior. Est-ce que vous avez autre point de clarification ou question pour Dominique? Non, pas pour l'instant. Juste de continuer à suivre le webinaire et les réponses vraiment de la question. Ensuite, la date de la soumission des deux rapports viendra avec la présentation du timeline, généralement de la présentation des différentes dates de soumission et de préparation du rapport des dépenses. Merci. Parfait. OK, donc à vous, Dominique. Et comme noté avant, si vous pouvez mettre vos questions sur la boîte questions-réponses, vous êtes vraiment encouragé de partager vos questions. C'est un webinaire interactif et nous apprécions vos questions. Donc, à vous, Dominique, merci. Yeah, merci beaucoup, Liz. Merci, Junior, pour l'appui. On vient de boucler la deuxième partie. Quoi de neuf? Et pour cette année et au-delà, là, on vient de voir comment les sous-bénéficiaires vont être impliqués dans ce rapport de dépenses. On va passer au troisième étape, c'est les ressources. Quelles sont les ressources disponibles pour le rapport de dépenses? On peut trouver beaucoup de ressources. Sur le site de DETN, il y a d'abord ce formulaire qu'on peut télécharger sur ce site. Il y a aussi le guide de classification
de version de juillet 2021. Et là, on peut aussi avoir les informations, qu'est-ce qui est quoi de neuf. Tout ça, on peut retrouver sur le site de DTIM. Prochaine diapo. Donc, maintenant, on commence avec les ressources pour la soumission d'entête. Il y a les guides étape par étape, les instructions pour les utilisateurs qui sont disponibles, comment le remplissage et la soumission de formulaire va être faite. Il y a les instructions aussi pour l'équipe du terrain qui doivent examiner et approuver ou bien rejeter les données du rapport de France. Il y a aussi comment gérer les erreurs, comment effacer les erreurs et aussi voir le statut d'approbation. Et il y a aussi en cinquième lieu, demander un compte d'utilisateur d'études. Donc tout ça, on peut être disponible sur le site de DTIM. Prochaine diapo. Donc, il y a aussi une assistance service technique qui peut aussi aider quand on fait face aux difficultés dans le remplissage de ce rapport de dépenses. Donc, quels sont les différents motifs qui peuvent nous amener à saisir ce service d'assistance? Donc, si le formulaire est non validé lors de téléchargement ou bien il y a les difficultés pour effacer certaines erreurs, même en suivant les instructions, là, on peut saisir le service d'assistance. Si il y a les mécanismes manquants qui ont été déjà définis, mais on ne retrouve pas sous DTIM, en ce temps, on peut faire recours au service d'assistance. Si nous avons les difficultés pour télécharger ou bien soumettre nos formulaires, et si il y a des difficultés aussi en ce qui concerne les identifiants ou bien le mot de passe, ou bien si on a d'autres questions techniques sur comment naviguer sur ce site, comment avoir certaines informations, là, on doit facilement se rapprocher du service technique pour soumettre nos requêtes. Et là, quand on voit sur ce site, à droite, où on a Technical Support, ce qui est encerclé en rouge, c'est là où on doit soumettre nos requêtes si on a des soucis. Merci. Prochaine diapo. Donc, juste à titre de rappel, nos webinaires sont disponibles sur le site d'ASAP. Juste pour qu'on sache, sur le rapport de dépenses, il y a un webinaire qu'on a organisé en septembre 2020. Et à l'autre en janvier 2021, qu'on peut facilement retrouver sur ce site. Et là, ça nous permet d'aller un peu en détail et aussi essayer de consolider notre compréhension en ce qui concerne certains rapports de dépenses. Prochain diapo. Donc, quelles sont les ressources qui sont spécifiques? Les ressources en matière de USAID. Donc, il y a ce budget qui est disponible. Il y a les directives additives pour la création des données. Il y a aussi les meilleures pratiques. Même dans ce diapo, on va aussi s'entretenir sur les meilleures pratiques d'une organisation. Il y a aussi le cadre de qualité des données. Là,
dans les prochaines diapos, quand on va rentrer dans le spotlight panorama, là aussi, c'est aussi les données qui sont mises à la disposition des partenaires qui peuvent exploiter pour améliorer leur fonctionnement et leur rapportage. Prochain diapo. Donc, assistance technique pour les partenaires locaux. Donc, pour les partenaires qui sont en Afrique, grâce à ZAP, ZAP et Accelerating Support Avance au Cap Finance, ils ont les consultants qui seront disponibles pour les soutenir, pour les accompagner en ce qui concerne ce rapport de dépenses. Mais ils vont aider pour la catégorisation et répartition des dépenses. Ils vont aider aussi les partenaires en matière de compréhension du cadre de financement tel que défini dans ce guide de référence qu'on peut télécharger sur le site de ils peuvent aussi vérifier l'exhaustivité et les données avant leur soumission et résoudre et aider à résoudre certaines erreurs ou bien avertissements lors de contrôle de validation des données, même en matière de navigation dans le processus de soumission des données. Donc, il y a cet appui qui est disponible, mais exclusivement pour les partenaires qui se retrouvent en Afrique. Mais ceux qui sont basés en Asie et dans l'Occident, ils auront toujours l'assistance technique qui est disponible à travers au niveau du CIEC. On voit l'adresse qui se présente comme on voit sur le diapo. Juste à titre de rappel, ce diapo, comment vont être partagés à la fin. Donc, pour les adresses qui mettent comme ceci, on aura aussi la possibilité d'avoir ça et si le moment opportun qu'on aura besoin d'un assistant technique, on peut facilement accéder. Dominique, et utiliser l'adresse Dominique. Électronique. Oui. Dominique, on te perd un peu. Est-ce que tu peux t'approcher un peu du micro pour qu'on puisse te saisir? On a beaucoup d'interruptions, s'il te plaît. C'est bon maintenant? Oui, tu peux y aller. OK. On est ici. Il y a l'assistance technique des locaux. Oula, peuvent apporter cette assistance technique en ce qui concerne la catégorisation et répartition des dépenses, les accompagner à la compréhension du cadre de financement défini dans ce guide de référence, aussi aider à vérifier les activités et les aptitudes des données, et résoudre les erreurs, et aussi aider à naviguer dans le processus de submission de données. Donc, ce appui est réservé pour les partenaires en Afrique uniquement, mais les partenaires locaux qui sont basés en Asie ou bien l'hémisphère occidental auront toujours une assistance disponible au niveau du siège. Prochain diapo. Donc, voilà l'assistance technique pour le partenaire d'implémentation ou bien pour l'unité opérationnelle. Donc, on note qu'il y a un responsable d'appui qui est disponible, basé au niveau du siège, pour soutenir ce processus de rapportage de dépenses. Et ce responsable fournit une supervision et une assistance technique pour qualité. Et ils analysent dans les analyses et utilisation des données. Donc, les questions concernant les catégorisations, les définitions des domaines, des programmes et tout sont gérées à travers de seuls membres de l'équipe USAID. Et pour les questions relatives aux détimes ou bien erreurs dans des teams, il y a un service technique au niveau des index. On peut le consulter. Prochain diapo.
C'est une autre pose de question. Donc, je repasse la parole à Alice. Si on a des questions, on peut y répondre. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci beaucoup, Dominique. Si vous pouvez ajouter vos questions sur la boîte questions-réponses ou bien même sur le chat, nous voudrions encourager chacun de partager leurs questions sur cette petite période de questions-réponses. Et pendant qu'on attend des questions, peut-être je peux répéter que cette présentation, les diapos, y compris l'enregistrement du présentation, sera disponible sur notre site web ASAP. Et aussi, il va tous être circulé par email parce qu'avec l'enregistrement de chacun de vous, on a reçu vos emails. Donc, on va aussi circuler la présentation par email. Donc, est-ce que nous avons des questions sur le chat ou bien la boîte questions-réponses? Malheureusement, on n'en a pas en ce moment. Je pense que les différentes hôtes vont continuer à écrire et vont écrire pour la suite du déroulement de ce webinaire. OK. OK, donc peut-être on peut continuer et encourager chacun de circuler vos questions. Donc, à vous, Dominique. OK. Merci, Liz. Là, on vient de boucler la troisième partie, les ressources qui sont disponibles pour ce rapport de France. On va passer au quatrième étape, ou bien quatrième section, utilisation des données financières. Donc, le rapport qu'on soumet au niveau de USAID le permettre dans la prise de décision. Et là, comment est-ce qu'ils utilisent ces informations? On a une première question. Ils veulent savoir si les ressources sont concentrées sur les bonnes stratégies et qui permettent d'atteindre les objectifs. Donc, il y a la possibilité d'utiliser ces informations. On regarde les différentes activités, les domaines qu'on investit pour voir si les différentes actions menées aident à améliorer la lutte contre l'épidémie. Donc, c'est aussi possible qu'au niveau de chaque partenaire, ils peuvent aussi regarder ces informations d'une manière ou l'autre qui peuvent les accompagner de voir comment leur fonctionnement est. Donc, ici, ils peuvent voir si beaucoup de financement ou bien beaucoup de fonds sont investis dans les recherches de cas ou bien assez dans les liens ou bien rétention pour les soins ou bien pour le traitement. Donc, c'est le premier aspect, c'est on veut savoir si les ressources sont concentrées dans les bonnes stratégies. Prochain diapo. Donc, il y a aussi cette possibilité. Il y a une autre question. Il ne se focalise pas seulement sur la stratégie. Maintenant, est-ce que les ressources sont sur la bonne population qui permettent d'atteindre le contrôle de l'épidémie? Par exemple, il y a les hommes adultes qui font partie de cette population prioritaire. Donc, il y a aussi cette triangulation des informations. Triangulation des informations pour voir si ce groupe de bénéficiaires avec d'autres indicateurs PEFA apporte une bonne investissement pour le projet. Donc, là, on s'assure qu'on est en train d'investir sur la bonne population. Prochain diapo. Donc, ici, on voit qu'est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on concentre nos ressources
sur les vrais besoins pour atteindre les objectifs, ou bien, les différents modèles mis en œuvre sont reflétés dans nos dépenses. Donc, il y a autant de décisions ou bien autant d'informations qu'on peut retrouver dans les dépenses, dans le rapport de dépenses soumis par les différentes les différents partenaires. Prochaine diapo. Il y a la triangulation des données. Comment avons-nous exécuté le budget? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, est-ce que les prestations de services a été interrompues ou bien plus coûteuses que prévu? Donc, ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser pour voir si on n'a pas obtenu nos objectifs. Qu'est-ce qui a créé problème pour qu'on n'a pas obtenu ces objectifs? Ou bien il faut plus de ressources dans ce domaine ou bien il faut diminuer les ressources pour l'action en question. Prochain diapo. Donc, ici, c'est le spotlight. Là, ce sont les données publiques FA où on peut avoir les montants, le budget abusé, le coût budgétaire pour l'année. Donc, ici, les dépenses de partenaires sont indiquées au niveau du total de mécanisme. Donc, voilà le site qu'on peut se retrouver sur ce site pour avoir les données de PFA. En bas, voilà l'adresse web qui permet d'accéder à cette donnée. Prochain diapo. Donc, on est ici dans PFA Panorama Spotlight, le tableau. Ça, c'est juste, ça donne un aperçu visuel sur la gestion financière. Et là, on peut trouver le poteau de tout financement. Donc, les partenaires peuvent revoir leurs exécutions budgétaires au niveau des partenaires ou bien mécanismes d'intervention. Donc, il y a toutes ces informations qui sont disponibles sur PFA Panorama Spotlight. Prochain tableau. Donc, voilà, on prend pour ces questions. Là, je peux passer la parole à Alice pour qu'on puisse encore recevoir quelques questions sur l'utilité de cette donnée financière qui ressort du rapport de dépenses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on a reçu deux questions sur le chat. Donc, à Junior de nous donner les questions pour USAID. Merci beaucoup. Effectivement, on a deux questions sur le Q&A, question-réponse. Il souhaiterait savoir, d'abord, je remercie pour la présentation, il souhaiterait savoir quelles pourraient être les causes majeures de rejet d'un rapport de dépenses, c'est-à-dire éventuellement, au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à une organisation dans son rapport de dépenses? Ça, c'est la première question. Après, si on a la réponse à cette question, j'irai sur la deuxième question. Merci, Junior. Et après la réponse de USAID, si vous pouvez traduire en français. Perfect. So, Allison, the question was, what are the major causes for rejecting ER reports? It'd be great to hear in your words. Thanks. Yeah, sure. So there's not a ton of reasons that a template would be outrightly rejected from datum. Things like including numbers with decimals are not necessarily reporting in US dollars. Those kinds of things would make the template be rejected by datum. However, outside of that, things like misalignment of program area and beneficiaries. For example, if you listed funds for VMMC
and put the beneficiaries as females, that would not necessarily cause the template to be rejected, but you might get a warning or a question from like the headquarters or mission staff when they review for you to correct those kinds of misalignments. Things like high percentage of program area might also raise some questions. However, there's, again, very few reasons why it would be outright rejected from data. I hope that helps. Thank you, Allison. Junior, do you want to start and then I can Okay. La réponse déjà d'un rejet éventuellement d'un rapport des dépenses, ça ne se fait pas tout le temps, mais déjà, si déjà on est en dehors des dates de soumission ou les interventions ou les bénéficiaires ne sont pas réellement alignés comme proposé, il peut y avoir ce genre de rejet. Mais je crois que déjà, Elisabeth pourra appuyer sur la réponse que j'ai donnée s'il y a d'autres choses dont Alison a ajouté. Oui, elle a aussi noté que si les réponses ne sont pas en dollars américains, ça c'est aussi une raison d'être rejeté par le système. Et aussi, vous peut-être allez recevoir des questions de USAID, par exemple, s'il y a des problèmes avec le rapportage des catégories de dépenses. Donc, ça, c'est des raisons, des questions de USAID, mais normalement, le système de data va rejeter pour des raisons de numéros avec des points décimales ou bien si ce n'est pas reporté en dollars américains. Donc, merci pour la question. Oui, si je pouvais aussi ajouter. Les interventions sont définies par USAID et si à la fin on fait nos reportages sans respecter les interventions qui sont définies, et là ça devient un peu compliqué. Donc ça peut faire objet d'un rejet parce qu'on sort carrément hors de ce qu'on avait défini comme jeu de base. Donc c'est aussi une possibilité que si on ne respecte pas cette différente intervention et ça découle. Aussi, on sait au moins les différents groupes de bénéficiaires aussi dépendent aussi de cette intervention. Et maintenant, comme Liz disait, au niveau de catégorie de coûts, aussi on ne respecte pas et on renseigne les informations surtout avec ce qu'on vient aussi d'identifier ou certaines dépenses au niveau du site. Sont interdits de leur rapporter au niveau de hors site, par exemple, ou bien certaines dépenses au niveau du voyage ou bien pour les constructions qui ne soient pas rapportées comme au niveau de prestations de services. Donc, si on n'arrive pas à respecter ces différents éléments, aussi ça peut faire objet d'un rejet. Merci. Merci beaucoup, Dominique et Élise. On a encore une question ici de partenaires qui demandent qui détermine les proportions du budget alloué par intervention. C'est-à-dire que dans le rapport des dépenses, généralement, on fait une analyse par intervention, après les bénéficiaires. Et cette analyse-là est basée sur un budget. Donc la question ici, c'est de savoir ces budgets qui sont détaillés ou qui sont éclatés entre différentes interventions, de savoir éventuellement comment se fait cette proportion sur le rapport de dépenses. Thanks, Junior. So Christy and Allison. Who determines the proportion of the budget to be allocated by intervention? Sure, I can take that. So the actual setting of budgets up front before the implementation year is done by
the USAID mission staff as part of an interagency planning process for the country operational plan. They set the partner level budgets as well as the allocation across interventions. And that's done generally in alignment with the programmatic targets and focus areas, with consideration for just our financial framework and again, keeping within those the spectrum of our intervention combinations. However, when it comes to expenditure reporting, we do want to make sure that partners are reporting based on the actual spending, even if the allocations, the proportions are a little bit different from what the original budget planning projected. We do want to see the realities of the programming on the ground, recognizing that there can be some changes throughout the year. Thanks. Okay. Elizabeth, c'est bon? Okay. You are in mute. Yeah, tu es mute. Oui, si vous voudriez commencer, Junior, je peux compléter. OK, OK. Ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, c'est que généralement, ces informations-là sont faites dans la préparation du COP, dans le processus de budgétisation avec USAID. Donc, généralement, les budgets qui viennent, ils ont déjà ces différentes proportions d'intervention-là, avec éventuellement l'appui du format de finance qui vient. Mais ce qu'elle tient à préciser ici, c'est dans la préparation, mais dans le reporting même des dépenses, c'est-à-dire dans le ER, il faudrait éventuellement mettre la part réelle de ce qui a été un dépensé sur le terrain, même si ces dépenses-là sont supérieures à ce qui a été budgétisé dans le budget de l'analyse des dépenses. Mais ce sera bien d'avoir une idée claire de ce qui est fait sur le terrain. Et juste pour ajouter que c'est un travail qui est fait maintenant, parce que avant, dans l'ancien format d'analyse des dépenses, c'était un travail qui était fait par les partenaires. Et donc, ça, c'est une innovation de USAID aussi. C'est aussi un mécanisme qui permet de faciliter la tâche aux différents partenaires, dans la mesure où USAID vous envoie déjà ces budgets-là vous envoie déjà cette planification des différentes interventions dans vos budgets. Parfait. Merci, Junior. C'est exactement ça que... chaque allocation, ça dépend d'intervention et c'est lié au ciblé programmatique. Et comme vous avez dit, Junior, USAID a dit que même si le budget n'était pas exactement suivi dans vos programmes, c'est avec votre reportage de dépenses et d'assurer que c'est vos nombres actuels au lieu de nombres dans le budget. Donc, ça, c'est ce que vous devriez reporter. Merci. OK. OK, Yann. Oui, Dominique? Oui, merci beaucoup. Juste pour ajouter la proportion pour le budget, moi, je pense que c'est défini au niveau où on définit les différentes interventions. Je pense que peut-être au niveau de la dépistage, on va prendre peut-être... C'est 20% ou bien le traitement ou bien la prévention va prendre 40% et les autres sont définis. Et maintenant, moi, je pense que ici, le budget est à partir d'ici pour voir, OK, voilà la proportion qui part vers cet programme, cet aspect, soit prévention, soit dépistage, soit traitement, soit... programme socio-économique. Donc, c'est ce que moi, je pense que comme d'après la question de temps, quand on a déjà défini cette différente intervention, on définit aussi la proportion de budget qui doit être alloué pour chaque intervention. Merci. Donc, à Junior pour la dernière question. OK, on a une autre question ici qui pose la question de quelles peuvent être les raisons d'éligibilité d'un rapport, mais aussi la fermeture du compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut signifier
pour qu'est-ce qui donne l'opportunité de dire que ce rapport il est bien fait, et aussi aussi quelles sont les raisons de la fermeture du compte. J'aimerais que ce soit un peu plus précis, du compte quoi, du compte Datim ou de quel compte. Mais voilà déjà la question qui est posée. Comme c'est un peu une question un peu répétée, Dominique, êtes-vous confortable de répondre? Pardon, Dominique, si vous pouvez approcher le micro. Oui, la question, c'est il y a deux parties. Il y a une partie de l'éligibilité du rapport qui peut aussi être partie comme les questions présidentes. Quand est-ce qu'on peut invalider les dépenses ou bien. Donc, moi, je pense que ça rentre dans le même volet où on n'a pas respecté certaines normes pour préparer les rapports. Le rapport n'est pas soumis dans les délais ou bien il y a certaines exigences qu'on n'a pas respectées pour préparer ce rapport. Donc, ça peut faire objet que ce rapport est rejeté. Mais maintenant, en ce qui concerne l'ouverture d'un compte, je ne sais pas si c'est le compte des primes, dans nos présentations, si on n'a pas utilisé le compte des primes dans 95 jours, notre accès, bien le compte est déactivé. Donc, on aura besoin d'avoir un autre compte. On aura besoin de demander l'accès ou bien demander un autre compte. Mais si, durant les 95 jours, on a accès et on utilise ce compte. Le compte reste ouvert. Merci. Parfait. Donc, merci tout le monde pour vos questions et les réponses de nos collègues USAID avec la facilitation de Junior et Dominique. Vous allez voir un dernier sondage. Donc, si vous pouvez répondre aux questions sur le pop-up, sur le sondage, nous allons circuler les réponses à la fin de cette présentation. Mais je crois que pour cette dernière question de Lucie, on peut répondre à la prochaine session de questions-réponses. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Donc, à vous, Dominique. Yeah, merci, Liz. On va maintenant passer aux dernières parties. Et si on peut regarder. C'est juste aussi la possibilité de vous écouter, les différents chers partenaires. Vous rentrez dans la boîte de discussion. Il y a la boîte qu'on a écrite, il y a l'autre Q&A. Pardon, Dominique, c'est un peu coupé, si vous pouvez encore. OK, je m'excuse. On rentre dans ce boîte de discussion. Et là, c'est le moment aussi de vous écouter. Quel est votre grand défi pour le rapport au cycle de rapport de défense, président, pour la plus grande préoccupation pour les prochains rapports? Donc, utilisons la boîte de discussion où on écrit chat, C-H-A-T. C'est à partir de là, on peut aussi vous écouter, mes chers partenaires. OK, prochain diapo. Donc, ici, voilà les questions qu'on trouve au courant. Comment aligner le budget, les dépenses avec le budget? Est-ce qu'il y a des taux et des écarts acceptés pour le budget par rapport aux dépenses? Il y a des dépenses, des atteintes pour certains seuils. Le gouvernement américain utilise-t-il les données? Comment les partenaires de mise en œuvre devraient-ils utiliser les données? Quelle est pour le rapport de dépenses pour l'exercice? Quelles sont les meilleures
façon d'allouer des fonds du personnel aux interventions. Donc, tout ça, ça, ce sont les différents défis. Mais sinon, on voulait aussi vous écouter dans cette boîte de discussion. Quels sont vos grands défis en ce qui concerne le rapport de défense pour l'exercice ou bien pour l'exercice prochain? Prochain diapo. Là, on va rentrer dans un cas pratique. Il y a une organisation, c'est EDAF, qui a aussi partagé les meilleures pratiques qu'on va s'entretenir. Donc, ici, on partage les expériences et perspectives d'un partenaire de mise en œuvre qui est EPAF. Ici, on va regarder un peu les principes directeurs. L'approche du rapport de dépenses, c'est un exercice un peu complexe. Même si c'est complexe, on doit être dynamique. Et ce qu'on peut avoir, ce sont les estimations. Les estimations qui représentent les dépenses réelles. Donc, on ne devait pas essayer de reconstruire le système à zéro pour capturer toutes les données à un niveau de précision tellement élevé. Ce sont les estimations qu'on peut avoir, qu'on doit avoir. Et dans nos diapos antérieurs, ou bien ce qu'on a retrouvé, la classification est faite à partir de la budgétisation au niveau de plan d'action et au niveau de reportage. Donc, on n'est pas au niveau de remettre tout à zéro et avoir un système d'une précision tellement élevée. Deuxième élément, il y a aussi la collaboration souhaitée entre différentes parties prenantes, y compris finances, programmes, suivi, évaluation, même pour les sous-bénéficiaires. Donc, le rapport ne doit pas être achevé sans une collaboration étroite. Il faut dialoguer et dialoguer aussi avec le bailleur de fonds, tout le processus, tout le long du processus de ce rapportage de dépenses. Troisième élément, l'apprentissage. Donc, on doit être en mesure de... C'est un investissement. Nous, on cherche à apprendre. On va entretenir sur cet aspect d'apprentissage. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a le plan stratégique, il y a l'utilisation de ces données qui nous aide. Donc, on doit être à l'interne, comme le dialogue est maintenu à l'interne, comme à l'externe avec les donateurs. Donc, c'est un apprentissage continu. Prochain diapo. Donc, l'apprentissage, dès qu'on traite ce rapport de banque, il faut qu'on utilise comme quelque chose qui nous appartient, comme ça, ça nous donne la possibilité de tirer les leçons. Il ne faut pas que c'est seulement une condition à remplir pour le compte du bailleur. On cherche à faire les estimations et ces estimations doivent générer les informations qui seront utiles pour l'organisation. Et on doit toujours se poser cette question. Les estimations que nous avons faites, quelle est leur signification? Est-ce que ça permet seulement le bailleur pour raconter l'histoire au niveau du bailleur? Ou bien on peut se tirer de cette estimation pour l'information à l'interne dans l'organisation? Prochain diapo.
Donc, pour la méthodologie, on utilise, quand il faut utiliser LOI, les personnels, il y a certaines, pour certaines organisations, ceci est déjà défini. Donc, quand c'est déjà défini, et là, ça donne la possibilité de voir comment on peut faire l'estimation sur la base de ce qu'on a déjà défini. Mais pour les coûts directs, là, on peut facilement voir si ce coût nous aide à, par exemple, pour la lutte, ou bien si nous pouvons clairement affecter ce coût à une intervention précise. Parce que si, par exemple, il y a les agents de santé qui se retrouvent au niveau du site, normalement, leurs salaires doivent être attribués au niveau du site. S'ils sont, si leurs interactions sont directes avec les bénéficiaires. Mais hors de là, si les interventions ne sont pas directes, là, on doit affecter aussi. Prochain diapo. Donc, en ce qui concerne les sous-bénéficiaires aussi, on affecte aux différentes interventions spécifiques sur la base d'une estimation. Prochain diapo. Donc, voilà le processus. On doit développer les allocations. Comme indiqué, parfois, tout ça est déjà défini au début. On sait ce staff, il est à 40% ou bien ce est à 100% au niveau du site et tout. Donc, on doit introduire les dépenses, compiler. Et là, il y a une analyse qui est effectuée. On examine le staff, on révise et cela est téléchargé dans deux types. Donc, il faut noter que durant tout ce processus, il y a les différentes parties prenantes qui doivent faire partie, qui doivent être intégrées dans ce processus, y compris finance, programme et suivi évaluation. Prochain diapo. Prochain diapo. Donc, le processus, ce qu'on doit retenir, lorsqu'on saisit les dépenses, on pouvait également demander à l'équipe de finance de faire une comparaison pour vérifier si les dépenses globales par catégorie cadrent avec les dépenses de coûts traditionnelles. Donc, il y a aussi la possibilité de faire les sommes en ligne. Par exemple, si au niveau de centre de santé et d'autres, on peut facilement additionner tout ce qu'on a payé comme salaire pour voir qu'est-ce qui est le total de ce salaire dans le système comptable ou bien dans le logiciel comptable. Prochain diapo. Donc, c'est une approche multidimensionnel. Donc, on intègre programme finance et la suivi évaluation pour que les dépenses doivent être différentes. Il y a aussi les transactions, les codages et tout. La finance doit apporter l'appui. Et maintenant, la location technique est assurée par le programme, qui aussi définit les allocations transversales, et la suivi évaluation aussi aide dans la triangulation des données. Prochain diapo. Donc, quelles sont les leçons apprises? Au niveau du personnel, la direction élabore les allocations de personnel qui permettent à envoyer une meilleure qualité de données. Pour les sous-bénéficiaires, l'équipe technique peut travailler pour déterminer les différentes interventions
Et il y a une communication régulière avec le donateur, avec l'employeur à l'interne. Donc, on doit travailler à une collaboration étroite avec tous les différents membres de l'équipe, programme, finance et suivi évaluation. Prochain diapo. Donc, des changements radicaux dans le codage et le saisie ne sont pas toujours nécessaires. Donc, on ne peut pas refaire à zéro. Donc, on doit s'adapter. On adapte au système existant et voir comment les données peuvent être capturées d'une meilleure manière. Donc, et surtout, commencer le plus tôt possible. Et commencer à, quand on a un nouveau logiciel, on peut aussi chercher à voir à le configurer pour que ça peut nous produire des informations qu'on peut en urgence peut facilement télécharger. Donc, là, c'est les leçons. On passe au prochain diapo. On doit toujours énoncer les hypothèses. Les allocations et les hypothèses sont acceptées, donc on doit partager. Il faut que ça soit bien documenté à l'interne pour que ça peut nous produire les rapports un peu cohérents. Il y a aussi prestation de services, contre non-prestation de services. On doit aussi s'assurer que cette distinction est claire et bien comprise par tous les parties prenantes. On doit commencer à bon heure. On travaille à temps, travailler sur toutes les différentes données, et là, on assure que ce rapport est déposé à temps. Donc, on revoit, commencer à revoir les hypothèses, mettre à jour les allocations et compiler les données durant le mois. Et cela, pour le cas précis, c'est tout ce travail doit être fait avant le mois d'août. Dans le mois d'août, c'est à moins un mois avant qu'on ouvre les dîmes pour qu'on puisse télécharger le rapport de dépenses. Prochain diapo. On rentre dans la série de questions et réponses. C'est une pause. Je passe la parole à Alice pour les questions et réponses. Merci beaucoup. Et désolé là. Lumière, c'est un peu bizarre maintenant. Merci Dominique, merci pour la présentation, c'est très bien fait et avec beaucoup d'informations, mais bien présenté. Donc, à vous Junior de répondre peut-être aux dernières questions qu'on puisse présenter à nos collègues USAID. Merci encore Dominique, merci Lise. On voit que les questions arrivent à la fin de la présentation, mais c'est de bonne guerre parce que ça veut dire que les gens ont vraiment capté le message derrière. La première question, c'est déjà, merci pour les présentations. Et la question qui est posée, c'est le défi majeur en tant qu'un CDD Kids est celui de l'accès aux différents services techniques du service du PEPFAR, c'est-à-dire que comment contacter PEPFAR au cas où il y a un problème dans le rapportage des dépenses. Ça, c'est la première question. Je crois que Dominique pourra nous aider dessus. Ça fait partie des points qui ont été relevés dans les slides et au niveau de la team aussi. Dominique? Oui, disons, la première question, c'est? C'est l'accès aux différents services techniques du système PEPFAR. Donc, il pose la question de savoir comment il peut contacter PEPFAR. Et éventuellement, comment, au cas où il y a un problème sur le rapportage des dépenses, ils peuvent contacter les services techniques pour un éventuel dépannage. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne Yetim en particulier, il y a la possibilité sous le site d'envoyer une requête si on a des soucis. Peut-être en remplissage des données, on a des difficultés pour effacer ou bien télécharger les informations, ou bien il y a une intervention qui manque.
qu'on doit se rapprocher au niveau du BAEB. Ça, c'est aussi là, on peut facilement télécharger les requêtes. Et là, il y a un responsable au niveau du siège et au niveau du pays qui peuvent apporter les éclaircissements sur ce point. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, Dominique. Je crois que c'était en réponse à la question qu'on a se présenté. C'était les plus grands défis pour chacun de nos organisations. Mais peut-être de visiter la question dans la boîte question-réponse. OK. Dans la boîte, la question qui apparaît, c'est la suivante. C'est déjà, peut-on aller au-delà ou en deçà du budget alloué à un domaine d'intervention initialement alloué par PEPFAR? Et si c'est le cas, on le fait, mais on reste dans les limites du budget total. Est-ce cela? Cela veut-il dire qu'il y a un rééquilibrage à faire entre les domaines? La question, si je veux la reformuler, je dirais, est-ce qu'on peut aller, on peut faire des dépassements ou on peut avoir des activités en deçà de ce qui était prévu dans les différents budgets de domaines d'intervention? Et puis après, le PEPFAR. Et puis, est-ce que globalement, on peut faire ces différentes variations dans le reportage et rester en gros dans l'enveloppe, c'est-à-dire que dans le budget global qui a été prévu pour la subvention. Donc, voilà la question que pose une hôte de ce webinaire et savoir si on doit faire un rééquilibrage entre les différents domaines programmatiques. Merci, Junior. Et je crois que c'est une question suivie d'autres questions partagées avec USAID. So for Allison and Christy, this is a follow-up to a previous question, but translated. I'm not sure if I understood correctly. Can we go beyond or under the budget allocated to an area of intervention as determined by PEPFAR? If this is the case, we do it, but we stay within the limits of the total budget. Is that it? Does that mean it has a rebalancing between domains? So if you can kind of give a few more specifics on how you meant you don't need to share actuals exactly as budgeted. Sure, yeah. So partners can't spend more than the total budgeted amount. However, given the timing of reporting and the nuances of ER being a cash basis reporting, we know there will often be differences between the budget and the actual expenditures, and these differences are obviously understood and they're expected. However, programs should aim to spend according to their original budget as agreed upon, but any major differences or major shifts between program areas and interventions should be communicated with their ACOR. And yeah, so the total budget is doesn't change. However, so if one intervention, their budget changed there, yes, there would need to be like a rebalancing of sorts between the different interventions. So I don't know. That's our answer. Excellent. Thank you. Donc, Junior et Dominique, si vous pouvez traduire. Dominique? Je commence déjà, puis s'il y a des choses à ajouter, OK. Elle a dit que il peut arriver que le budget prévu et puis les dépenses réelles, il y a vraiment une grosse différence et qu'éventuellement, si cela arrive, il faudrait contacter votre EOR éventuellement pour pouvoir comment on peut faire des modifications à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est en gros, voilà ce que j'ai compris. Si, Merci, Junior. C'est-à-dire que des partenaires ne peuvent pas dépasser plus que le budget en total, mais USAID sache que toutes les dépenses ne vont pas être exactement comme budgétisées. Mais l'idée, c'est de rester sous le budget en total. Mais s'il y a des grands changements ou des grandes
oui, changements dans les interventions ou des programmes, il faut communiquer ces changements à votre A ou COR, donc votre officer du contrat, pour assurer que vous êtes transparent avec cette idée de rebalance le budget. Merci. Donc, je crois qu'il y a d'autres questions sur la boîte question-réponse dans Abu Junior. Oui, bien sûr. La question, c'est la suivante. La présentation, est-ce qu'il demande si le consultant, parce que dans notre présentation, nous avons dit qu'il y aura des consultants qui seront mis à la disposition pour les aider sur le reportage des dépenses. Donc, il aimerait savoir si le consultant viendra pour le renforcement des capacités le trimestre 4 dans les locaux des organisations. Est-ce que le consultant se rendra dans les différentes organisations pour les appuyer pour le rapport des dépenses? So this is for everyone, so USAID, I can translate and then I can first respond, but it was around beyond the presentation, will the consultant come to us in quarter four and visit? And so I think this is more around the HRH support that actually ASAP is providing next to this consultant. So I can respond to this. Donc, merci pour la question. Dominique et Junior ont été nos présentateurs. Et ils vont travailler directement avec certains partenaires ciblés. En plus, nous avons un consultant ou bien certains consultants qui ont été assignés à certains partenaires locaux. Et si vous avez besoin d'aide avec le reportage de dépenses, plus que ce webinaire, et aussi avec l'inventaire HRH, s'il vous plaît, communiquez ses besoins avec la mission en pays, avec votre A ou COR, parce qu'il peut vous mettre en communication avec les consultants disponibles dans vos pays. Donc, voilà un peu comment procéder avec un peu d'assistance technique en personne ou bien virtuelle. Donc, de communiquer vos besoins à votre mission de USAID en pays. Merci. Prochainement, Junior. OK. La prochaine question est de savoir quelles sont les meilleures unités d'œuvre à prendre en considération pour la répartition des dépenses communes, formation, mission, salaire, entre les différentes interventions. Donc, je reprends. Quelles sont les meilleures unités d'œuvre à prendre en considération pour la répartition des dépenses communes, formation, les missions, les salaires, entre les différentes interventions? Dominique, êtes-vous confortable de répondre à cette question? I think US colleagues. Okay, donc je vais traduire pour nos collègues USAID. What are the best units of work to be taken into consideration for the distribution of common expenses, training, salaries, between different interventions? So I think, what are the common units used? I don't know, Allison or Christy. Lise, au fait, il demande un peu la clé des répartitions. La clé des répartitions sur certaines dépenses qui sont communes, parce qu'on a il y a des dépenses qui se font sur plusieurs niveaux d'intervention. Donc, il veut savoir exactement comment on peut dispatcher, on peut éclater ces dépenses-là. Comment, quelle clé de répartition on peut utiliser de telle sorte que ça soit objectif dans l'analyse du rapport des dépenses. Donc, savoir un peu quelle est la clé de répartition pour certaines dépenses sont communes sur plusieurs domaines d'intervention. Merci, Junior. Donc, si vous pouvez traduire directement à nos collègues USAID, parce que je crois que vous avez bien mieux compris la question. Ou bien... They want to know what is the best repartition, you know, what is the best key of repartition
for the same expenditure that is in the different area, programmatic areas, you know. So some training or maybe some salaries as dispatching or maybe as in the different area domain and area programmatic area. So they want to know how you can also affect the different amount in the different programmatic and areas. Let me help you. Please, I think if I understood Junior, the question is, what is the basis of repartition of common costs, which includes trainings, mission allowance, salaries, across different interventions? So what can we use as a basis to share the cost? How can you best allocate shared costs? Yeah. Okay. Got it. Okay. Chrissy, we got there. How to best allocate shared costs during reporting. Thank you. Thanks. Yeah, and this is a great question and one that comes up a lot. And in that last section that Dominique presented that came from our colleague at AGPAF with a lot of recommendations on some of their approaches. When he talked with us on the original or the first version of this webinar, he talked about some approaches that AGPAF uses. There's not a specific method that's prescribed by expenditure reporting for distributing common expenses, those expenses that maybe cross-cut a number of different interventions, but there's different methodologies you can use. So one thing that he had recommended was doing some upfront work, for example, looking at all of your staffing and determining upfront that certain staff work primarily on one intervention or another, and then just attributing their time accordingly, not trying to do it hour by hour, but just doing it based on a staff person and the preponderance of where they're spending their time or splitting across interventions, and doing the same sort of thing with other common or shared cross-cutting expenses. And he actually provided, I think, hopefully you all made a reference to this that I missed, but he shared with us a sample of a tool that they have used to do some of this allocation of expenses across intervention areas. And that is posted on the ASAP website for everyone to use and adapt to their own purposes. Again, it's not a requirement, it's not a PEPFRL tool, but it was something that was shared generously by one of our other partners as just a sample of a way to approach this. Thanks. Donc, moi, je peux commencer. Thank you, Christy. Je peux commencer avec la traduction. Donc, elle a dit que c'est une très bonne question et c'est une des raisons qu'on a partagé l'outil du partenaire AGPAF qui était partagé par Dominique dans la dernière diapo. Donc, elle a dit qu'il y a différentes méthodologies. Il n'y a pas juste une méthodologie d'utiliser, mais la méthodologie partagée, par exemple, de AGPAF, était de regarder vos staffs et vos employés et déterminer quelles sont les interventions principales auxquelles ils travaillaient et d'allouer leur temps à ces interventions. Donc, ça n'a pas besoin d'être heure par heure, mais en général, comment ils utilisent leur temps. Et ce qu'elle a noté était que AGPAF a partagé cet outil qui était disponible sur le site web de ASAP et on va aussi partager le lien après cette présentation. Mais vous pouvez adapter l'outil partagé par AGPAV qui était mentionné dans la présentation de Dominique, qui était juste une méthodologie de partager ou allouer des coûts. Et donc, ça, voilà la réponse de USAID. OK, donc un grand merci à notre présentateur Dominique
Un autre grand merci à Junior qui était là d'aider avec des questions-réponses et aussi à nos collègues USAID d'être là d'aider les réponses. Donc, merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Thank you, everybody. Merci, merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Merci à tous. Hein. Merci. Au revoir. Et on va circuler la présentation, les diapos, l'enregistrement du présentation et aussi l'outil DegPath. Et on va essayer de capturer vos questions aussi par écrit avec le paquet de documents partagés. Donc, merci pour toutes vos questions. Merci tout le monde. Have a good day. Merci.